Allez, c'est sifflé, c'est parti. Première période de cette rencontre et le ballon ramassé par Coutainville sur cet engagement. Cette première action qui n'aboutira pas. La défense bien en place côté Angers. Allez, on va rentrer côté Coutainville. On va chercher à réaxer le ballon, pas de solution. Ah, nous, on va ressortir, mais tourner un petit peu plus court au milieu de terrain pour la formation. Coutainville. Ouais, ça ne passera pas à nouveau. Allez, on tourne un petit peu plus bas pour prendre un petit peu plus d'espace pour construire le jeu pour les joueurs de Coutainville qui conservent toujours pour l'instant la possession de balle. On défense bien en place côté Angers. Allez, on essaie maintenant. On a trouvé la solution. L'information va partir sur une touche lancée Angers. Ça part très très vite sur cette touche. Un poil trop vite, ballon au sol, mais ce sera remonté, Angers. Allez, on cherche la solution, on a trouvé pour Rex, malheureusement, on ne pourra pas tirer. Et on ressort, on reprend un peu d'espace, une petite mi-tour côté Angers. Hop, on esquise un petit coup de défense, on vous alerte, là ça chatouille en direct. À 10 mètres, soit les jouer aux 15 mètres. Alors, en l'occurrence, on a décidé de la jouer, de 3 passes effectuées. Pas de solution, petite tête. Allez, toujours 1-0 entre ces deux formations. Angers, balle en main, coup de sifflet en faveur de l'équipe de Angers. Je vous rappelle le score, toujours 1-0 entre ces deux formations à la faveur de Coutainville. Alors, on va essayer de passer là-bas sur. L'aile droite pour Angers, on se fait un petit peu enfermé dans la défense, on va être obligé de ressortir pour les blancs. Allez, on prend un petit peu d'espace pour reconstruire le jeu, on temporise un petit peu, ça provoque la défense, on cherche la solution. Allez, ce sera bien bouché, pas de solution. On va ressortir. Côté Angers. Allez, on a boosté un peu cette attaque. Allez, ça va partir très très haut, très très loin. C'est le deuxième rang bien lancé. Allez, tout de suite, on a trouvé le soutien sur. Ouais, ça va partir très très vite là-bas sur l'aile droite. On est bienvenu. On défense bien placé. On était bien placé côté Angers. Allez, Angers, toujours. Les joueurs d'Angers ont choisi également de la jouer aux 15 mètres. Allez, le tir, Robin, qui va donner. Allez, à Coutainville en possession de la balle. L'avantage toujours pour l'équipe de Angers. L'égalisation de deux côté Coutainville. J'étais un petit peu concentré sur le changement de rallonge. Partout, égalité parfaite, et on repart avec Angers, balle en main. On est rentré un petit peu dans le fond de terrain pour reconstruire. Alors, je vais avec Benjamin qui fait descendre sa balle sur Robin. Le tir à une main et
Fafard sur une touche lancée à Coutainville, ça joue très très vite pour les roses. La défense vient en place de l'équipe de Angers qui va obliger la formation de Coutainville à ressortir. On va tourner le terrain, on a un petit peu les gaz, on a ici Alex. Bien défendu, ballon seul, et ça sera remonté par les roses. Allez, on va essayer de se sortir de la défense. Allez, on balle en main. On est allé chercher un peu plus de profondeur. On a accéléré là-bas sur la gauche. Pas de solution pour réaxer. Mais on conserve la possession de balle à nouveau. On va tourner milieu de terrain. On temporise un petit peu. Ouais, on a trouvé la solution dans l'axe, le tir côté de Coutainville, et c'est validé, Angers. Et ça va partir, Lobé, deuxième manche. Allez, cette touche lancée, c'est Coutainville, ce sera Lobé premier rang, ça retourne directement dans les mains de formation des roses. Allez, trois partout. Là, en fond de terrain. Effectuer les trois passes. Allez, on met un peu de gaz. Dans cette attaque, on a trouvé la faille au milieu. Le tir. Côté Angers. Alors, on décide d'aller reprendre un peu d'espace pareil, du côté d'Angers pour effectuer les trois passes. Construire un petit peu le jeu, trouver la solution pour passer la défense de Coutainville, le tir un poil au-dessus, côté Angers, ballon au sol, mais ça sera remonté et la balle sera conservée par le blanc. Aïe aïe aïe, un petit stampal en passant là-bas sous la défense. Allez, on restera là pour cette première période. Dans le sens du jeu, c'est parti, c'est sifflé, l'engagement, comme je vous disais, pour Angers, c'est fait, c'est effectué. Les trois passes également. Alors, tu vas avec Benjamin qui temporise dans l'axe, qui va gentiment faire redescendre ce ballon. Allez, on va tenter d'aller au but côté Angers. Ça ne passera pas. Défense bien présente côté Coutainville qui va forcer. Mais joueur d'Angers. On va sortir à la maison, on met un peu de rythme dans cette attaque et le... Alors on va partir sur une touche lancée, rose. Ça part, premier rang très rapidement. Alors on n'a pas eu de solution pour transmettre cette balle après le relais. Sur la touche. Allez, trois passes effectuées pour les roses. Aïe aïe aïe, la passe un peu courte, bonne défense. Le ballon au sol et ça va être remonté par les bleus. Peut-être pour la contre-attaque, on a réaction ce ballon, le tir. Et ce sera validé. Allez, Angers qui prend. À sa formation, on a dans la main des roses. 5 à 4 entre ces deux formations. Allez, on se fait un petit peu enfermer la balle gauche, pas de solution pour l'accès, bonne défense de la part des joueurs d'Angers. On tourne un peu plus court. Côté à gauche, on a trouvé la solution là-bas, sur la droite, le tir. Allez, très rapidement, on repart sur une touche. Lancée Angers, ça part très très haut, directement dans les mains de Benjamin. Anton, on joue maintenant avec Robin, on fait descendre ce ballon sur Benjamin, Robin. Allez, on ressort, parce que ça ne passera pas, c'est un peu bouché par la défense. Et on accélère, là-bas, sur le droit, le tir. C'est validé. Et on va repartir sur une touche, lancée à gauche. Ça part très très haut, deuxième ballon, ça va jouer très rapidement.
Les trois passes effectuées, on cherche, on provoque. Et on est obligé de ressortir pour les roses. Alors, repoussé par la bonne défense du joueur d'Angers. Allez, ça va passer. Le tir. Et ce sera validé. C'est 6 entre ces deux formations. Avanceront coup pour coup. Et on repart avec la formation Angers sur cette touche. Allez, Angers qui prend un peu d'espace. Qui remonte un petit peu à la maison pour construire le jeu. On cherche une solution. On se fait un petit peu enfermé dans la zone à droite, mais on a réussi à accéder au tir. Et ce sera validé. Allez, Angers qui va. Allez, Coutainville qui récupère ce ballon sur ce rang de touche. C'est boxé. Un ballon somme ramassé par les roses. Ah, le compte des trois passes pas effectué. On va être obligé de ressortir. On va tourner avec les roses. On provoque un peu dans l'axe. Et le tir qui tape le fer. Et coup de sifflet. Milieu de terrain. Allez. Les trois passes effectuées pour l'équipe d'Angers. Allez, on cherche à forcer un petit peu le passage là-bas sur l'autre droite, mais c'est bien défendu. Allez, tir à noir, ça tape le fer, ballon au sol. Et coup de sifflet des arbitres. De la jouer. Allez, le tir côté Coutainville, ça n'aboutira pas. La balle qui tombe sur la structure gonflable, récupérée directement par les joueurs. Danger, allez, c'est cette contre-attaque, la passe un peu courte. Ballon au sol, et la coup de sifflet. Allez, c'est les roses qui vont récupérer cette balle sur cette pénalité numéro 3. Allez, Coutainville. Coutainville, les trois passes effectuées. Et on cherche la solution, on se fait bien décaler là-bas. À gauche. Allez, ça tourne un peu plus court. Allez, oui, coup de sifflet. Allez, on repart. Milieu de terrain, pénalité numéro 3 à Angers. Allez, trois passes effectuées, on fait redescendre ce ballon. On essaye de faire un peu avancer la défense. Allez, on va ressortir pour les joueurs d'Angers. Toujours le ballon là. On accélère là-bas sur la droite. Bien défendu. On essaye d'aller récupérer ce ballon dans la main de jeu. Coup de sifflet à nouveau. Tadam ! Arbitre ! Ça va partir sur cette pénalité numéro 3 en faveur des roses. Allez, peut-être l'opportunité sur cette action d'aller égaliser puisque pour l'instant c'est toujours Angers qui a l'avantage d'un tout petit but. Allez, 1 minute 15 à jouer encore dans cette rencontre. Un petit but d'écart entre ces deux formations. Allez, les roses en possession de la balle. On cherche la solution pour aller égaliser. Bonne défense de la part de l'équipe d'Angers. Voilà, on a trouvé la solution à la chaise. Et on va repartir. Sur une 3 blanche. Angers qui mène d'un petit but dans cette rencontre. Allez, on va rentrer à la maison tranquillement. Vu énormément de temps de jeu, on préfère assurer. Côté Angers, éviter d'aller à la mort subite.
Allez, seule occasion pour encore gagner ce match côté Agon, c'est d'aller récupérer ce ballon. Allez, ce sera validé. Et dans cette rencontre, allez, la touche joue le premier rang, et elle restera là sur cette rencontre.